Strasbourg, Sarajevo, 750 kilomètres. Une heure d'avion, c'est loin, mais si proche. Depuis 5 ans, les belligérants s'affrontent dans ce pays qui compte 3 ethnies, 2 alphabets et 3 religions. Le plan de paix pour la Bosnie, paraphé à Dayton le 21 novembre 1995 et signé à Paris le 14 décembre, est entré dans sa phase opérationnelle le 20 décembre, date où l'OTAN reprend les responsabilités et le commandement des forces multinationales en Bosnie. Ainsi, le groupe d'artillerie commence sa mission opérationnelle sous mandat Fort-Pronu, force de réaction rapide, puis passe à l'opération Salamandre au sein de l'IFOR le 20 décembre. Le groupe d'artillerie Igman appartient à la division multinationale Sud-Est, dénommée Division Salamandre, engagée en ex-Yougoslavie dans le cadre de l'IFOR. Cette division est stationnée dans le sud de la Bosnie-Herzégovine. La mission du groupe est de fournir à la division l'appui de ses feux dans le cadre des missions fixées à l'IFOR. Surveiller et aider à l'application des accords de paix de Dayton. La ligne rouge représente la ligne de cessez-le-feu au moment de la signature des accords le 20 décembre à Paris. Contrôler le marquage de la ligne de séparation inter-entité. Les zones bleues et rouges représentent les zones à céder par les différentes factions. Établir les liaisons entre les autorités locales et les organisations internationales. Soutenir le retrait des unités des forces de l'ONU non transférées à l'IFOR et les missions secondaires. Soutien des déplacements des organisations humanitaires. Assurer la sécurité générale des mouvements de la population civile. Surveiller la dépollution des zones. Le groupe d'artillerie est formé par des cadres et des militaires du rang volontaire des 1er et 32e régiments d'artillerie et du 1er régiment d'artillerie de marine. Il est composé d'une équipe chef de corps, une équipe commandant en second, un détachement de liaison auprès de la division, 2 demi-PCR, 6 détachements de liaison observation, 2 batteries de tir à 2 sections de 4 AEF-1 chacune, une batterie de commandement et de logistique. Ces équipes sont réparties sur 3 sites principaux, les monts Igman, Sarajevo, Mostar, où elles ont occupé différentes positions. Le chef de corps sur les monts Igman était à l'hôtel Boritz, le commandant second à Vrapchichi, près de Mostar, le détachement de liaison à PTT Building à Sarajevo. Les PCR, sur Igman, les positions d'Eko, Babindol, Velikopolje et l'hôtel Boritz, à Mostar, Vrapchichi et Ekom. Les détachements de liaison observation à Sarajevo, la patinoire de la Scanderia, PTT Building, sur l'aéroport et le village de Rajlovac. Sur Igman, Velikopolje, à Mostar, Vrapchichi et Ekom, et enfin les villages de Kalinovic et Medugorje. Les batteries de tir sur Igman, le PC a été respectivement à Eko puis à Velikopolje, les 2 sections ayant leur position à la carrière et sur Velikopolje. À Mostar, le PC de batterie était à Ekom, une section à Vrapchichi,
l'autre à ECOM. Les deux cercles représentent les possibilités de tir des deux batteries. Enfin, la batterie de commandement et de logistique était installée pour la plus grande partie à Vrapchichi, un détachement du niveau technique d'intervention stationnant sur Igman afin d'assurer le soutien des sites d'Igman et Sarajevo. C'est à Suip, en Champagne, que le groupe d'artillerie à 8 pièces, composé des 1er et 32e régiments d'artillerie, s'est rassemblé du 4 au 18 octobre 1995 afin de se préparer à sa mission future. Nous effectuons des tirs d'artillerie de jour comme de nuit en explosifs, fumigènes ou éclairants. Qu'est-ce que vous voulez de mieux ? Et simultanément en explosif. C'est de la base aérienne d'Orléans que les précurseurs se sont envolés à bord d'un Hercule C-130. Destination Split. Voilà, nous manger, mystère. Première journée sur le sol yougoslave. Aux surprises, nous arrivons à un hôtel. Chacun a hâte de découvrir le cadre où il va effectuer sa mission, même si le soleil et la mer rappellent les vacances.
Le séjour va durer 4 mois. S'installer, prendre le matériel en compte, préparer la venue de la première rotation, telle est la mission des précurseurs. De Montbéliard, Belfort, Joigny ou Sarrebourg, tous convergent vers Oberhofen afin d'y effectuer les ultimes préparatifs. 8 décembre. Notre avion va être retardé d'une demi-journée. Attendons. Garnier, Gauthier. Régis, je crois qu'il n'est pas loin, mais il est con. Ouais, ouais, ouais. Le mec là-bas, il est très gros. C'est bon, je crois. Un réveil matinal, nous suivons un moment la côte d'Almat pour nous rendre à Mostar. Ça vous promet du volume. Sont chaleureuses, mais il va déjà falloir nous séparer. Après avoir perçu le complément de pactage, les personnels prévus pour Igman vont monter sur la montagne. En début de séjour, le groupe d'artillerie se déploie sur 17 sites.
Je t'en copie.